Événement ce vendredi 5 mars à 21h sur TF1 et en simultané sur France Bleu, avec la diffusion du spectacle 2021 des Enfoirés. En janvier dernier, une trentaine d'artistes s'est retrouvée sur la scène de la Halle Tony Garnier de Lyon pour enregistrer un show sans la présence du public. À l'occasion de cette diffusion, qui devrait rassembler autour de 10 millions de téléspectateurs, Téléstar vous propose de découvrir combien coûte une publicité pendant le concert des Enfoirés. Chaque année, les tarifs des publicités diffusées pendant le spectacle des Enfoirés font partie des plus élevés de la télévision française. En effet, en 2019, par exemple, un annonceur devait payer autour de 130 000 euros pour obtenir 30 secondes de publicité. Par ordre de comparaison, ces tarifs avoisinent les 75 000 euros pour The Voice ou Koh-Lanta. Par ailleurs, cet argent ne va pas directement dans les poches des Restos du Cœur mais dans celles de TF1 qui s'en sert pour produire, chaque année, un show exceptionnel qui coûte entre 3 et 4 millions d'euros. Les Enfoirés 2021, un show très particulier ce vendredi 5 mars, les téléspectateurs de TF1 vont assister à un spectacle très particulier. En effet, pour la première fois depuis 1992, le concert de la troupe des Restos du Cœur a été enregistré sans la présence du moindre spectateur. Toutefois, tous les Enfoirés nous promettent un show unique et exceptionnel qui sera notamment l'occasion de découvrir les deux petits nouveaux de la troupe, Vianney et Kev Adams, et d'apprécier le retour de Carla Bruni après 14 années d'absence. Rappelons également que, cette année plus que jamais, les Enfoirés comptent sur vous. Quelques infos sur le week-end des Restos du Cœur, la collecte nationale, qui a pour but de collecter un maximum de produits indispensables au fonctionnement de l'association tout au long de l'année, a lieu de ce vendredi 5 au dimanche 7 mars. Le CD et le DVD du spectacle 2021 des Enfoirés seront disponibles dès ce samedi 6 mars. La boutique éphémère est également ouverte jusqu'au 14 mars.